Voilà, donc nous allons réviser un petit peu les tableaux de variation et tableaux de signes sur ce graphique. Donc je rappelle, pour déterminer un tableau de signes, on s'intéresse aux valeurs de x pour lesquelles la fonction est égale à 0. Donc, enfin, le y est égal à 0, donc la fonction change de signe. Donc on a un changement de signe ici à donc moins 2,5 à peu près. Donc quand x est égal à moins 2,5, la fonction vaut 0. On a un autre changement de signe quand x est égal à moins 1. Enfin, en tout cas, une autre racine quand x égale moins 1. Et on a une troisième racine quand x est égal à 1,5. Donc voilà les trois racines. Donc mon tableau de variation, je le construis comme ça. Donc avec la première ligne où je mets la valeur de x pour lesquelles y vaut 0, donc les racines. Éventuellement, quand la fonction n'est pas définie, il faut aussi mettre les valeurs de x pour lesquelles la fonction n'est pas définie. Mais ici, la fonction est définie pour tous les x. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à compléter. Donc, avant moins 2,5, les y sont négatifs. Ils sont positifs après. Ils sont ensuite encore négatifs et puis positifs. Donc ça, nous avons donc terminé le tableau de signes de la fonction. Alors maintenant, on va passer au tableau de variation. Alors là, sur la première ligne cette fois, je vais mettre les valeurs de x pour lesquelles il y a un changement de variation de la fonction. Elle passe de croissant à décroissant. Alors quand la fonction passe de croissante à décroissante, comme c'est le cas ici au point grand A, j'ai un maximum. Donc en fait, ici, les valeurs de x que l'on va mettre, ce sont les valeurs de x pour lesquelles j'ai des maximums ou des minimums de la fonction. Donc il y en a un à moins 1,87, puisqu'on nous donne ici les coordonnées de grand A. Et il y en a un autre, donc il y a un minimum à 0,53. Donc entre moins l'infini, quand x varie de moins l'infini jusqu'à moins 1,87, on voit que le y augmente. Puis entre moins 87 jusqu'à 0,53, le y diminue. Donc à chaque fois ici, hein, ça concerne y, la deuxième ligne. Et ensuite, la fonction réaugmente jusqu'à plus l'infini. Donc on peut imaginer que quand x tend vers plus l'infini, bah, le y devient de plus en plus grand. De même, quand le y est de plus en plus vers la gauche, quand le x est de plus en plus vers la gauche, on peut penser que le y est de plus en plus négatif. Et quand x est égal à moins 1,87, eh bien j'ai le y qui est égal à 2,06. Et quand x égale 0,53, j'ai le y qui est égal à moins 4,88. Donc 2,06 c'est un maximum local et moins 4,88 est un minimum local. Voilà. Deuxième type de graphique, ben, il n'y a rien de bien compliqué dans ce graphique-là, je vous laisse le faire tranquillement à la maison. Mais je vais quand même le corriger puisque voilà, c'est comme ça vous aurez la correction. Donc tableau de signes, eh bien la fonction s'annule à... Donc je démarre à moins l'infini, la fonction s'annule à moins 2,4, on va dire. Puis elle s'annule pour x égale moins 1. Puis elle s'annule, on va dire, à 0,4 et moi jusqu'à plus infini. Donc ici, y vaut 0, ici, y vaut 0, et pour x égale 0,4, y vaut aussi 0. Quand x est plus petit que moins 3,4, bien je suis, la fonction, le y est positif, puis il est négatif, puis il est positif, puis il est négatif. Voilà pour le tableau de signes et le tableau de variation. Alors, les minimums, donc je démarre à moins l'infini. Donc à moins 1,82, je vois que la fonction va changer. Donc elle est décroissante jusqu'à moins 1,82, puis va être croissante jusqu'à moins 0,18, qui est l'abscisse du point grand B. Donc là, ici, j'ai le point grand A, dont le y est égal à moins 0,9. Et à moins 0,18 pour x, j'ai le y qui est égal à 1,09. Et puis après, elle décroît moins l'infini. Donc elle descend. Elle va...
Voilà donc le tableau de variation de la fonction qui est proposé ici. Donc c'est relativement simple. On va passer maintenant à un type de graphique un peu plus délicat, donc qui est en fait ici la fonction 1 sur x qu'on devrait reconnaître. En fait, on pourrait la reconnaître si on considère qu'ici on a l'axe des y, on pourrait avoir l'axe des y, et ici on pourrait avoir l'axe des x. Et on remarque que l'origine du repère ne se situe pas en 0, 0 ici, mais se situe en 1, moins 3. Mais si je raisonne comme si ce point ici était en 0, 0, je vois bien que quand x égale 1, l'inverse de 1, 1 divisé par 1, c'est bien 1. Quand x égale 2, je suis à 1 demi. Quand x égale 3, 1 tiers, ainsi de suite. Donc j'ai bien la fonction 1 sur x. Si x égale 1 demi, bah, 1 divisé par 1 demi, ça fait 2. D'accord? Vous avez ici donc le point 1 demi, 2. Donc je reconnais bien la fonction 1 sur x. Et d'ailleurs, si j'ai moins 1, si je me place ici avec du moins 1 demi, hein, je raisonne comme si l'origine du repère était ici. Donc ici, j'aurai x égale moins 1 demi. J'obtiens bien 1y égale à moins 2. Donc ici, donc on obtient bien en fait, on voit bien que c'est la fonction f sur x qui a été en fait donc déplacée. On lui a fait subir une translation de vecteur 1 moins 3. Et donc si j'avais, alors c'est pas demandé dans l'exercice ici, hein, mais si j'avais à écrire donc l'expression de cette fonction dans le repère y, x qui est donné ici et non pas dans celui-ci, hein, celui-ci donc c'est pas le vrai x, y. Hein. Donc si j'avais à donner l'expression de la fonction dans le vrai, dans le repère dans lequel elle est dessinée ici, ben, j'aurai une relation de la forme y égale à 1 sur x moins 1, puisque une translation de 1, ça revient à enlever 1 sur les x, et moins 3 pour ajouter en fait sur les y. Donc ajouter quelque chose de négatif, ce qui nous donne une translation verticale. Voilà, donc ça, ce serait l'expression de la fonction. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez également savoir faire. Alors le tableau de signes de cette fonction. Je vais chercher les racines. Alors je vais démarrer à moins l'infini. Je démarre toujours de la gauche pour les x qui sont vers moins l'infini. Alors je m'aperçois que la fonction n'est pas définie pour x égale 1. Hein, si on voit le domaine de définition de cette fonction-là, c'est tous les nombres sauf x égale 1. Car quand j'ai x égale 1, évidemment, ça fait 0 et je ne peux pas diviser par 0. Hein. On le retrouve bien sur le graphique également. Donc là, il faut également que je mette, il faut que je mette à la fois les racines, rappelez-vous, et aussi les valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas définie. C'est vrai pour les tableaux de signes et les tableaux de variation. Il faut à chaque fois mettre aussi les valeurs pour lesquelles la variable n'est pas définie. La fonction n'est pas définie. Les valeurs de la variable pour lesquelles la fonction n'est pas définie. Et alors, donc je peux, pour indiquer que la fonction n'est pas définie, je peux faire un petit dessin comme ça pour montrer qu'il n'y a pas de y. Quand x est égal à 1, il n'y a pas d'y. Et donc, y a une racine qui se situe ici, pour x un peu plus grand que 1. Donc on va dire pour 1,3 par exemple, j'ai une racine. Et après, donc il ne se passe rien jusqu'à plus l'infini. Et au niveau des signes de y maintenant, ben, quand je suis plus petit que 1, la fonction, le y est tout le temps négatif. Quand x égale 1, il n'est pas défini. Puis ensuite, et vous voyez, c'est pour ça qu'on a bien fait d'écrire cette fonction, cette valeur-là. Il se passe quelque chose, en fait, quand je passe des valeurs de x plus petites que 1 aux valeurs de x plus grandes que 1, il se passe que ben, la fonction, le y devient positif. Il reste positif jusqu'à ce que je traverse x égale 1,3, où là, ça s'annule, et après, ça devient négatif. Et quand je dessine ensuite, j'ai construit maintenant le tableau de variation. Donc le tableau de variation, il démarre à moins l'infini, pareil. Donc cette fois, je cherche les maximums et les minimums. Alors, il se trouve que la fonction ne fait que décroître. Elle est décroissante jusqu'à 1. À 1, elle n'est pas définie. D'accord? Et ensuite, ben, je redémarre à droite de 1. Et elle est de nouveau décroissante jusqu'à plus l'infini. Et alors, si je m'intéresse maintenant aux valeurs de y aux extrémités des flèches, donc, ben quand le x s'approche de moins l'infini ici, là, quand je suis là, quand x tend vers moins l'infini, ben on voit que le y s'approche de moins 3.
Donc il faut écrire moins 3 ici. De même, quand le x devient très très grand, le y s'approche de moins 3. Donc je peux mettre moins 3 ici. Et par contre, quand x s'approche de 1, alors s'il s'approche de 1 en venant de la gauche, le y devient de plus en plus petit. Et s'il s'approche de 1 en venant de la droite, le y devient de plus en plus grand. Et voilà donc mon tableau de variation de cette fonction. Donc ici, donc tableau de variation qu'il faut savoir faire. Et je vous donne rapidement donc la solution pour ce tableau, pour ce graphique-là. Alors il faudrait dessiner encore une fois les axes x et y que je pourrais même appeler prime, hein, x prime, y prime, ce ne sont pas les vrais x et y qui sont là, mais qui me font retrouver, reconnaître la fonction 1 sur x. Et donc cette fois-ci, je vois que j'ai une translation d'ailleurs, donc le point qui est ici devrait être en 0, 0. Cette fois, la translation, elle est de vecteur 3, moins 1. Et donc si j'avais à écrire l'expression de l'équation du graphe de cette fonction, ben, c'est y égale à 1 sur x moins 3, moins 1 cette fois. Alors, je vois que pour le tableau de signes, ben, la fonction va s'annuler en x égale 2. Elle n'est pas définie pour x égale 3. Et il ne se passe plus rien après jusqu'à moins l'infini. Et le y est d'abord négatif. Il passe à positif ici. Et de l'autre côté de 3, il revient en négatif et il reste tout le temps négatif. Et finalement, je termine avec le tableau de variation. Donc je reprends la valeur moins l'infini. Je vais cette fois-ci jusqu'à la valeur où la fonction n'est pas définie. Et je termine en plus l'infini. Donc la fonction est croissante et elle est encore croissante. Voilà. Et donc, quand x tend vers moins l'infini, ben, je m'aperçois que la fonction se rapproche de plus en plus de moins 1. Le y se rapproche de plus en plus de moins 1. De même, quand x devient de plus en plus grand, le y s'approche de plus en plus de moins 1. Et par contre, de chaque côté de x égale 3, à gauche, j'ai des y de plus en plus grands, et à droite, j'ai des y de plus en plus petits. Donc moins l'infini plus l'infini. Et voilà. Ainsi s'achèvent ces exemples de construction de tableaux de signes et tableaux de variation à bien connaître. Voilà. Et au passage, on a aussi appelé comment obtenir l'équation d'un graphe. Voilà. Connaissant le graphique, retrouver l'expression en fait de la fonction